quoi, on ne prendrait pas un verre. Tout gentiment. Comme ça, décontracté. Allez, j'aime bien le scotch. Ces gars m'étaient vraiment rigolés. Comment, avec son maigre budget, la loi réussirait-elle à faire le poids devant un trafic qui rapporterait net, selon nos estimations, plus de 100 milliards de dollars et cela par an? Tout ce qu'on veut espérer, c'est que l'État colmate la brèche en attendant Prio. Mais il fout ton petit zizou dans la brèche. La seule chose qu'il faut glisser dans un trou, c'est ça. Régler la prohibition. On ne va plus interdire ces substances, mais bien les légaliser et en tirer un rapport. Ces voix nous assurent qu'on extirpera de cette façon toute collusion avec la mafia. Je ne suis pas, dois-je le préciser, une de ces voix. Ça, c'est sûr, mais tu sais pourquoi, vieux? Parce que t'as la tête au fond de ton couloir. Voilà pourquoi. Cet enfoiré dit jamais la vérité. C'est un vrai enfoiré. La splendeur de cette cité et de toute la Floride. C'est des types comme lui, tous ces enfoirés, les banquiers, ces politiciens. Eux, ils veulent surtout pas légaliser la coke. Sinon, ils gagneraient plus de fric pour acheter leur voix d'enculé. Ils en veulent aux mauvais garçons. C'est eux, les mauvais garçons. Pourquoi? Vous n'avez pas les couilles de vous imposer dans ce monde.